merde, la salle. C'est réel. C'est comme courir, faire du running, ouais. C'est tellement de la merde. Moi j'aime bien les sports de raquettes. C'est trop bien les sports de raquettes. Padel, tennis de table et tout, badminton, j'aime bien. J'aime bien les sports. En fait, j'aime bien les sports PVP. Bah ouais, bah les sports qui sont aussi des jeux, genre. Ouais, le truc c'est que genre quand tu joues, enfin quand tu joues, quand tu cours ou que tu vas à la salle, il y a rien à faire en à plus, part. Il y a pas de but, juste là tu soulèves des trucs ou tu cours, frère. T'es tout seul, t'es là, tu fais dans le truc, il y a que toi contre toi-même, vas-y frère. Exactement. Ouais. Alors que oui, c'est ça, tu vas te faire un petit padel, un petit squash. Ça, là, ça joue, tu vois, t'as des on est bien. Ah, c'est trop bien, je suis d'accord. Bon, bon allez, premier match, c'est les parti. Amis, enfin. Allez, c'est à nous de jouer maintenant. On gagne ce match, on est top 16, on perd, on est out, c'est pas plus compliqué que ça. Et il faut savoir que tout à l'heure, ils ont mis une belle démonstration, je trouve, cette équipe de Illusion moins 1. Donc là, ça va être à nous de montrer de quoi on est capable. Oh non. Voilà, il a bait tout le monde. Il a bait tout le monde avec cette touch. Il a bait Astral, il a bait les 3 joueurs adverses. Il a bait tout le monde. Mais pourquoi? C'est pas grave, y'a rien. Bah, c'est le début. C'est le début. On sent quand même qu'en face, ça peut chier dessus. On sent qu'en face, ils peuvent faire aussi des grosses erreurs. C'est ok, mais en tout cas, je sens que là, allez. Ça risque d'être une petite confiesta. Non, mais c'est rien, c'est le kick-off. Oui, faut juste le temps qu'on arrive à poser notre jeu. Ça avait fait pareil, premier match aussi, voilà, la démo. Attention quand même, ils ont accéléré très très vite dernier match qu'ils ont joué Illusion moins 1. Ouais, ils ont mis. Premier match, ils gagnent 6-0, dernier match, ils mettent genre 7-1, donc. Ouais, c'est des joueurs agressifs. Voilà, très belle ça démo. Parfait, on les fait tilt. On a pas de boost. On les a pas fait tilt. Ils sont vraiment pas tilt sur la démo, j'ai l'impression. Oh. Ouais, non, là y'a pas eu de. Allez. Allez, on y va. Allez, c'est pas grave. Le truc, c'est que là, je nous voyais dans une situation, on était un peu. Ouais, on était pas ouf là, tu vois, défensivement. Je voyais mal comment on pouvait défendre ça. Et Trebla a trouvé une très belle frappe en plus. Hein. Trebla, très très chaud. L'acteur principal du match précédent. Attention, qui est dope. Dommage. La lecture était bonne. La lecture d'Astral était très très bonne. Et là, ça peut rentrer. Dommage, c'est pas cadré. Ce sera pas cadré. Trebla qui s'envole, il va passer un joueur. Oh, Trebla, wesh. Oh. Lui il est terrifiant. Je te le dis, match d'avant, ce gars là, bizarre. Après c'est le premier match, ouais. C'est le temps de s'adapter au rythme qui est mis par les adversaires. Allez, tranquille, y a rien. Is ok. Première game de la journée aussi, c'était la même. C'est ça. En plus là on n'a pas eu de game pendant genre 30 minutes plus, donc on est un petit peu refroidi. Alors que eux, de leur côté, ils viennent de sortir dans le gros BO5, ils viennent d'enchaîner les matchs, donc ça peut jouer en leur défaveur parce que la fatigue, et ça peut aussi jouer totalement en faveur. Ils sont plus rapidement dans leur match, c'est ça. Ça c'est sûr. On y rentre rapidement nous. On n'a pas eu de bum sur le dernier défenseur, sur le gardien, sur Trebla. La masse qui s'envole, masse qui a pas trouvé de reset. Astral qui va réussir à toucher cette balle. Allez, qui s'envole. Ok, on essaie de la faire passer en dessous. Astral ok. Voilà, allez c'est parfait. Allez, ça part de là. C'est le mental, c'est bien construit ça. Ça joue ensemble. K-Dop, Astral qui est en deuxième homme. K-Dop qui temporise, qui va aller mettre la petite touche de néon. Et Astral qui fait une très belle frappe. Qui sera pas défendu par Trebla. Allez. Clairement, je pense que là, ils ont juste profité. Un petit peu de l'effet surprise. On n'était pas dedans. Maintenant, il faut entrer dedans vite. Une démo sur Mads. Il tente de faire un pinch en passe sur Trebla de l'autre côté. Est-ce que Astral peut le contester? Oui, c'est très bien fait. Ça vient au centre. C'est pour nous, ça. Trebla fait maintenant. Si on peut faire quelque chose là. Wesh. Avec Adop qui a essayé de trouver la frappe. Hein. À l'atterrissage. Astral qui arrivera à la remettre du côté opposé. Adop qui retouche le ballon. Tu l'avais ou pas? Quoi? Moi, j'ai dit Trebla fait. Tu l'avais? Je l'ai pas. C'est quoi là? Ok, est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'on peut? Parce qu'il s'appelle Trebla et puis c'est très bien fait. Ah. Une blague en gros. Mais putain! Ça c'est pas marrant, frère! Ça ce n'est pas marrant! Mais frère, attends, mais comment il a mis ce but? Hein, il met la balle reset. Ok, reset, il la retape. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, on a pas de boost côté chaussettes. Là pour le coup, chaussettes défend du mieux qu'il peut. S'il a pas le flip reset, il l'a. S'il l'a, malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé là. Donc Trebla, encore une fois, qui nous met une pression absolument dingue. Mécaniquement, il fait un taf monstrueux. Et on va éliminer un joueur. Donc il est sur la pause, on fait une petite passe. C'est pas touché malheureusement par Astral, c'était un peu trop haut, c'est open. Ah ouais, c'est open. Est-ce qu'on peut revenir à temps? On peut revenir à temps? Non, on reviendra pas à temps. Ok, 5-1, 2 minutes. Bon allez, premier match, frère. Il reste 2 minutes 30. En vrai, ça se fait. En vrai, ça se fait, il y a le temps. En vrai, de vrai. En vrai, de vrai, ça peut se faire. Oui.
c'est fun. Et en vrai de vrai, si on perd ce match, et au pire, on laisse le premier. Voilà, c'est pas catastrophique. On s'est pris 3 buts en 1 minute. Oui. C'est vraiment OZEF là. Ce match-là, il y a eu l'effet de surprise. Du coup, on est derrière. On essaye de jouer un peu trop aggro. Il nous met des contres. Voilà, c'est ok. Terminé. Faut tenter des trucs. Faut après, juste prendre la confiance. Après, pour nous, il va falloir que Trebla arrête d'être le reborn de Zen, en fait, juste. Il arrête d'être la réincarnation de Zen, là, parce que là, j'avoue que mécaniquement parlant, il est juste trop chaud, là. Il nous fait des dingueries. Et on a des mots. Est-ce qu'on peut défendre? Ça a été défendu. Faut en mettre vite si on veut revenir, parce que c'est quand même 4 buts. Alors certes, ça peut aller très très vite dans Rocket League. On a mis qu'un pour l'instant. Bonne défense du backboard de Astral. Ok, il a essayé de mettre encore une pression. On a plus de boost Astral. Ouais. Il a quand même réussi à toucher le ballon. Pas grave. Ok, là c'est un peu grave. Là c'est un peu chiant quand même, parce que là on a dû retourner vers l'arrière. On est dans une position bof avec les deux joueurs adverses qui viennent nous push. C'est pas facile à gérer. K-Dub qui la met directement pour Chaussette. Chaussette, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Non. Chaussette qui n'arrivera pas à la remettre ici. Il n'a pas spécialement de boost. Trebla qui viendra contrôler le ballon sur son capot. Ok, Chaussette qui analyse un peu ce qui se passe. Mats qui vient le pousser et qui va envoyer la balle tout devant. Et en plus, ça nous a pris le boost. Voilà, par contre, c'est bien. Là, on a une belle action. Ouais, on est trois, les trois joueurs bien défendus. Malheureusement, est-ce qu'on peut y aller? K-Dub, non, Néon qui va arriver en backup. Ça va être envoyé sur Astral. Défendu par Mads, mais pas suffisamment bien. Chaussette qui revient à l'attaque, ça rentre. Ok, pas mal. Ok, Chaussette qui trouve l'opportunité, on met un deuxième but. Une minute, trois buts. Alors peut-être. Alors peut-être, un gros peut-être, mais... Un mais gros peut-être, peut-être mais... Ouais. quand même cette temps que Chaussette, elle est belle, en vrai, quasiment 1v3 en plus. Oui, oui. Vraiment carré, but réalisé solo. Allez, faut un but kick-off là. Pour nous, bien sûr. En vrai, c'est un match qui est très ouvert, hein, quand même. Oui. Là... Là, les gars, il va y avoir du but. On l'a vu dans leur match précédent, il y a des 6-0, des 7-2, des matchs très, très, très agressifs de leur côté. Donc je pense qu'on va devoir s'adapter à ça et soit punir leur tentative, soit tout simplement, nous, de notre côté, les museler. Mais il faut trouver une solution parce que là, pour l'instant, solution, on n'en a pas tant que ça. Après, si on enlève les 3 buts qu'on a pris au début, il y a 2-2. Oui, oui, si on enlève les 5 buts qu'on a pris, non, mais il y a 2-0. Hein. Je veux dire, la première minute de jeu, on était vraiment pas dedans. C'est vrai. C'est déjà un peu plus construit ce qu'on propose. On a plus de phases agressives. Attention, une bonne défense. On n'a pas de boost du côté d'Astral malheureusement, qui va essayer quand même d'envoyer un peu ce ballon. Il pourra pas jouer le boost, mais il va aller contester sur Néon. Ouais, K-Dub. Astral qui revient. Est-ce qu'il la renvoie devant? C'est Chaussette qui la renverra sur le côté gauche pour K-Dub. K-Dub là-dessus, est-ce que ça rentre? Ça rentre. Allez, c'est pour le mental. Voilà, on met deux buts de suite. Le momentum est repris. Deux buts kick-off, voilà. Non mais tu vois là, déjà dans le jeu, on sent qu'on commence à rentrer de plus en plus dans le match. Ce match-là, autant dire que ça va être quasiment possible. Sauf si on a un but kick-off, un deuxième ouais, but kick-off. Voilà, mais bon, 7 secondes. Vas-y, c'est quoi on peut laisser le premier match, fine. C'est un BO5. Ça. Mais on sent qu'on n'est pas muselé comme on l'était face à des BDS ou quoi, qui eux étaient vraiment... Oui. Dans la plupart des matchs, bien au-dessus. Allez. C'est fine. Tranquille, premier match, c'est ok. Je vais me prendre une petite fraise pour remonter le moral de l'équipe. Allez, moi aussi, de toute façon, il en reste plus que 3. De toute façon, Guillaume, on rachètera au pire. C'est bon, on lui dira rachète des petites cagettes de fraises là. On savait pour être mangé. Hein. C'est vrai. On va pas laisser pourrir des fruits quand même. Bah non. Ouais, ça abuse. On est pas comme ça. Allez, deuxième match. On y va, on lâche rien. Faut bien commencer le match. Oui, faut pas se prendre plein de buts kick-off. Astral qui est parti bien loin là. Attention à ça, Astral il est en chasse. Astral il est en chasse depuis tout à l'heure, c'est une dinguerie. Le début de game d'Astral il est trop marrant. Voilà. Genre il a vraiment go dans leur base. Il a chassé un mec pendant les 15 premières secondes. Il l'a eu. Bon, ça n'a pas servi à grand chose, mais il a eu. Attention à cette pause. On n'a pas de boost. On n'a pas de boost du tout. On n'a pas réussi à dégager ce ballon. Ouais, on l'a raté avec Chaussette, on l'a raté aussi avec K-Dop. Il y a eu des grosses erreurs. Happens. 25 secondes. C'est rien. Allez. Faut pas y laisser prendre l'avance comme ils ont fait sur le match précédent. Rebond, frère. Le rebond ça était... va, parce que le rebond était... Il était
Zane Lucky, sûr. Chaussette qui l'envoie tout devant pour un potentiel astral qui pourrait peut-être suivre derrière. On a un bump. Cette frappe sur le backboard, Chaussette qui va pouvoir la choper. Est-ce que Astral peut l'envoyer? Une autre démo. Okay. Il reste un. On a essayé de trouver un bump, malheureusement ça suffira pas. Astral il a vraiment essayé de rentrer. Il avait plus rien. Ça c'est bon ça. Ça c'est bien ça. Voilà. Évidemment que c'est bien cette passe d'Astral. La passe de K-Dop pour Astral. Belle passe de K-Dop. En plus on avait plus beaucoup de ressources. On va donner tout ce qu'on a. Hop. Elle est magnifique. Pour Etekmats touche le ballon. Astral qui est présent. Très belle frappe. Très précise. Allez, c'est bon. C'est bon, on égalise. On a rattrapé notre erreur. On les a pas laissé prendre de l'avance cette fois-ci. Là, maintenant, le match est beaucoup plus open. Souka et Maskikov. Chaussette, il doit effacer Trebla. On a K-Dop qui essaie de le bump. Est-ce qu'il a eu? Non, il a pas eu. Il a pas réussi à bump Trebla. Trebla qui arrivera donc à défendre cette action. Mask qui va trouver un flip reset. On a Astral qui va pouvoir la récupérer normalement. Sortir le ballon. Attention, quand elle va passer le passe. C'est bien pour Chaussette. Est-ce qu'elle va devoir la toucher? Mais là, par contre, on est dans une très bonne situation. Là, j'aime bien la situation dans laquelle on est. On la dépose. Trebla, l'arrêt. Oh, l'arrêt de Trebla. Ouais, il était fou cet arrêt. Il était fou. Bump de Chaussette. Est-ce qu'on a K-Dop qui était dans le coin? Attention quand même. Ah non, qui envoie cette balle. C'est frappé. K-Dop qui est en défense, qui va pouvoir arrêter ce ballon. Allez. Chaussette qui va la récupérer. Allez, qu'on va repartir sur une phase offensive. Défendu par Néon. Astral qui va essayer de la remettre un petit peu. Défendu aussi par Trebla celle-ci. 50-50. Trebla qui va essayer à éliminer Chaussette. J'avoue que là, j'ai voulu y croire un peu, c'était compliqué. Est-ce qu'on est en avance? Chaussette qui arrive à trouver un bon fichier, la balle reste de leur côté du terrain. K-Dop qui va essayer de la pousser. Le seul problème, c'est que là, on n'a plus personne qui est du côté gauche. Le pinch est pas mal. Astral qui va partir en air dribble, qui va se faire contester par Mads. Il arrive encore à avoir la balle. On n'a plus assez de boost, Astral, malheureusement. On ne pourra pas récupérer ce ballon, on a quand même gagné pas mal de temps. Chaussette qui va faire une passe un petit peu. Oh là là! Le caviar. Très jolie passe, très jolie frappe. Voilà, c'est ça qu'on veut! C'est ça qu'on veut, belle passe, belle frappe, bam, sur le dos. Ça fait plaisir ce jeu-là, voilà. Ça fait plaisir là, comment ça joue. Voilà. Ça joue devant, ça arrive à se trouver, ça connecte bien, c'est propre. Allez. 2-1. Toujours quand même ce petit but qu'on a pris au début qui nous fait un peu mal, mais au moins maintenant on mène. Non mais tu vois, c'est une erreur qu'on a fait. Oui, ça arrive. Tu vois, ça arrive. Mais dans le jeu, dans son ensemble, dans comment on met du rythme et tout pour l'instant, c'est nous qui sommes devant dans ce deuxième match, donc il faut que ça parte là-dessus. Et c'est vrai que à la fin du premier match, on sentait déjà le vent tourner. Maintenant, il faut réussir à mettre en danse, c'est pas cadré du côté du DOP. Astral peut-être par la double tape, c'était cadré cette double tape, mais très bien arrêté. Côté illusion, moins 1. Et arriveront donc à éviter de prendre encore un peu plus de retard. Et nous, ça ne fait pas nos affaires. Ouais, attention Trebla qui va se faire contest, il a éliminé un de nos joueurs. Chaussette qui va défendre ce backboard. Renvoyé devant, Néon qui essaie de défendre mais qui a plus de boost. Il y a une démo. La petite frappe qui était pas calée pour l'instant, qui est de petit va, il y a une passe, non. Astral est un peu trop loin, attention à cette contre-attaque, Chaussette qui va aller défendre. Qui va la redirect pour éviter qu'elle rentre dans nos cages. Ok, Astral qui prend de vitesse Néon qui s'est commit ici. On va voir Chaussette et Astral, est-ce qu'il y en a pas un qui peut chase? Chaussette, le très bon flic. Le très bon flic pour éviter le dernier penseur, il efface tout simplement. Mads qui a été mis dans le vent. Et le flic il est beau. Le flic là directement, le carme gauche, magnifique. Il est clean celui-là, les 3-1. C'est bien, faut reprendre l'ascendant mental aussi. Là, clairement, on est en contrôle quand même de cette game, on met bien plus de pression. Il y a des opportunités du côté de Illusion -1, donc faut pas s'endormir. Mais juste au bout d'un moment, ils finissent par lâcher sous la pression. Oula, c'est open, ça rentre. Il y a eu des rebonds très chelous là au niveau des Fipsi, là, des contests. J'avoue que c'était bizarre là. Comment ça s'est passé là? Ça passe en dessous. Ah, c'est trop bien à faire. Là, il va la remettre un tout petit peu en dessous. Au moment où il va taper sur Chaussette pour faire une passe. C'est vraiment un bon setup sur ce kick-off. C'est une dinguerie, ouais. Très bien joué. Très bien joué. Moi, j'ai envie de dire que c'est de la chatte. C'est voilà, de la chatte, évidemment. C'est de la chatte. Là, par contre, là, on a plus grand monde. Là, Astral qui doit la bloquer. Oh là, j'aime pas cette balle, c'est défendu, heureusement. Ouh, merci Astral. Merci Astral. Par contre, là, on a du boost, on a deux joueurs devant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Dommage. Oh, on a encore volé le boost, c'est bien. Est-ce qu'on peut la mettre dans l'axe? La balle qui traîne, j'aime bien ce genre de balle. Oh, c'était joli, pour le coup de K-Dub, c'était cadré, mais ce sera défendu. Chaussette qui essaie de l'avancer, la balle qui reste devant les cages. Allez, il y avait deux joueurs de Illusion. Astral qui essaie de trouver un setup. C'est la repousser sur le ceiling là. Ok, Chaussette qui va pouvoir la renvoyer. Trebla qui va avancer le ballon. Attention quand même à Astral qui pourrait se faire bump. Astral qui va se faire pousser. Attends, la frappe de Mals, mais Chaussette était ici. Heureusement que la frappe n'était pas cadrée parce qu'elle aurait pu être très dangereuse.
Oui, effectivement, Astral qui va essayer de partir un petit peu. On n'a pas le boost, on va quand même prendre ce reset défendu par Trebla qui est 1v9 tel Tukui Prime. Que oui, hein. Donc il va frapper, défendu par Kaidop. Après, il a été tenu par Narcus, on le rappelle. Ouais, effectivement. Et là, Anine Narcus qui a tenu Tukui Prime. Bref. Ouais, avec seulement 56 de retard et 63 décales de Tukui au bot. Bon, allez, 25 secondes, on met toujours un but d'avance, mais on commence à prendre un peu de pression. Chaussette qui va essayer d'envoyer ce ballon, il va prendre un V1. Le pitch, oh, il est passé. Il est face, ok. Il n'y a plus de boussure. Il y a plus de ah, mais c'est pas grave. Il gagne du temps, il gagne du le temps. Le temps qu'il gagne, il est insane, hein. Oui. Et là, Kaidop qui la renvoie en haut. Attention, Trebla qui va pouvoir l'envoyer. Hop, on esquive la démo de la part d'Astral. Astral qui retouche le ballon. Attention à Mats qui repart, qui essaie de la mettre au sol pour Néon. Il faut réussir à la remettre de leur côté du terrain. Bouge de la part de Trebla. On la met au sol, on la met au sol. Allez, allez, Astral, on la. Allez, la team. Oh. Fais chier, toi, Néon. Allez, attention, Trebla qui s'envoie. Il a pas de boost. Trebla sans boost, ça va. Oh, il a voulu. Voilà, voilà, bien joué, ouais. On a vu. Jeté sous le ballon pour pas qu'il touche le sol. Allez, 1-1. C'était déjà mieux cette deuxième game, c'était bien mieux. Totalement. Maintenant voilà, on continue sur cette lancée. Et on espère qu'ils vont dérouler un petit 3-1 là, j'avoue que ça me ferait plaisir. Parce que j'ai pas envie d'aller en game 5. Ouais non moi aussi. Vu que la game 5, tout ça pour le stress. Tout... Je suis vieux frère. Ouais j'avoue là, go 3-1 sûr. J'avoue 3-1, on gagne les deux. Petite fraise pour fêter ça. Ouais une petite fraise. Fallait jeter une petite cagette. Non restez deux, faut qu'on gagne un match. Si on gagne les deux matchs, on a une fraise chacun. Ça va. Allez, le kick-off. Oui, par chaussette. Ok, Kaidop. C'est oh, défendu. Blade. Bel arrêt. Très bel arrêt. Sans ressources. Il arrive tout de même à l'arrêter. Cette frappe qui était quand même assez bien placée. Astral qui va essayer d'accompagner le ballon peut-être pour aller chercher le dop. Là, le dop peut-être. Non, le dop qui sera effacé par Mads. Astral, le rebond n'est pas en sa faveur. Astral qui la renvoie devant. Ok, attention par contre. Néon et Mads qui sont un petit peu jetés tous les deux. Heureusement pour y aller personne. Astral, il l'a. La victime pendant ce temps, la balle qui est, le ballon pardon, qui est dans le couteau corner, ça ravance du côté de Néon à tout, chaussette qui la touche in extremis et heureusement. Bien, ce qu'il fait là. Heureusement, sinon ça aurait été énorme. Une catastrophe, on a plus de boost Kaidop qui arrive en backup, qui va aller trouver un bump sur Trebla. Oula, attention à cette frappe. Ah, arrêté par chaussette, ça va, on est bien placé, rien de dangereux pour le moment, la balle qui repasse devant, on s'est fait bump par chaussette. Enfin, personne là, il nous la donne. Nous rend le ballon effectivement, on n'a pas de boost pour Astral. Kaidop qui la retouche, est-ce qu'on peut justement partir de là? Parce que Mats il est dans une position où justement il va essayer de la dégager. On a Chaussette qui va mettre énorme pression sur Néon, c'est bien. Astral qui va essayer de la renvoyer dans l'axe j'imagine pour le dop. Ok, le fusil moyen, on n'a pas de boost. Kaidop va récupérer la balle. Ça va, ça reste de leur côté du terrain, mais bon, là on va devoir s'arrêter. Faire gaffe quand même à ça, défendu par Astral. Black va essayer de la remettre pour son coéquipier qui était derrière, mais ça va. Allez, Kaidop qui va la remettre un peu au sol pour la donner à Chaussette. Chaussette qui y va. Il va pouvoir la retoucher. Il faudrait qu'il puisse récupérer ce boost. Mais ça a été pris par Trebla malheureusement. Attention parce qu'on n'a plus que Kaidop. Qui s'est jeté. Assad qui s'est jeté. Kaidop qui est patient. Chaussette qui revient. Kaidop qui est patient qui bloque les angles. Et Chaussette qui va venir l'assister. Oh là, la défense à deux. La défense à deux, ça chauffe. Ça chauffe de fou. Ça chauffe un peu trop même à mon goût. Allez, il faut réussir à dégager. Il faut réussir à respirer un peu. Parce que là, ça accélère le rythme côté illusion. Oui, ok, et ça fait peur. On contre ici. Attention, la chaussette peut-être. Est-ce qu'il peut la renvoyer vers ils sont pas contre eux. Le centre, Astral, dommage. Il n'arrivera pas à avoir le contre ici. Kaidop qui va devoir la dégager. Mais Trebla qui bloque bien le ballon. Qui laisse l'opportunité à Néon de venir pousser cette balle. De venir nous voler le boost. Et de faire du taf là quand même. Néon là, il nous fait bien chier là sur ce côté gauche. Ouais, effectivement. Vraiment toujours 0-0. 2 minutes 40 restantes dans ce match. Allez, okay. Chaussettes, une petite frappe, c'est arrêté, c'était bien visé, mais... Ouais, on met une petite pression, tu vois, ça les fait un peu paniquer, ça les fait un peu trembler. Oula, Bonne démo de la part de Kaidop qui va limiter la menace. Chaussettes qui va redégager un petit peu, récupéré par Néon. Chaussettes qui va aller chercher le contest sans boost, c'est du bon travail. Attends, le dop tout seul, ok, là on va sur Blackboard, il la bloque encore un peu. Astral peut-être la double tape, compliqué à aller chercher, et Chaussettes qui a essayé de planter le clou, malheureusement. Eh bien, il y avait encore les défenseurs de cette équipe Illusion qui étaient présents là. Mais c'était ça, c'était ce qu'on voulait voir. C'était du jeu offensif, et pour l'instant, ça ne passe pas. Le travail de Kaidop là-dessus qui va bloquer Trebla. Comme ça. Attention à la redirect de Trebla, attention à Mads aussi. Oh là là, il était passionné, il a essayé de nous fake. On a failli être très unlucky. Oui. Alors là j'aime pas trop ces phases de jeu là, on prend la pression depuis un petit moment quand même. Attention, la passe elle est belle.
Oh dommage. Oh dommage, Néon qui était là. C'était très bien vu là, Astral, il voulait trouver une redirect. Il y a une démo sur un de nos défenseurs, il faut que la balle aille de leur côté, sinon c'était la merde là. Parce que là, si la balle continue d'aller de notre côté, c'était potentiellement le but. Oh, le bump de K-Dop. Très beau bump. Astral tout seul. Astral pour chasser, dommage. Il a pas réussi à la retoucher, ouais, malheureusement. Bah là, il avait zéro. Ah, c'était compliqué, hein. C'était très compliqué. Ça joue en tout cas des deux côtés, ça ferme vraiment le jeu, ça joue un petit peu avec la part. Il y a une démo, sur Trebla, le dump tout seul, ok, Néon. Est-ce qu'on a quelqu'un? Astral qui va se faire bump lui aussi. Ah non, il a très bien joué, il a tellement bien défendu, je suis dégoûté, frère. Faut réussir à le mettre ce but, faut réussir à le mettre là, une minute. Allez, celui qui ouvre, il ouvre le score là, il crée une grosse différence. Ouais, parce que ça arrive pas à percer les défenses des deux côtés. Et Astral qui part, mais qui va se faire démo. On a déjà Trebla qui la renvoie, Chaussette et K-Dop qui s'envolent tous les deux. Attention à bien communiquer, à pas paniquer là, une minute restante au compteur. Il va falloir jouer un peu plus patient. Attention quand même à Mad ici, voilà, c'est bien, on a une démo sur Mad. Ça va cancel l'offensive. Par contre là, la touch de Néon était pas bonne. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de ça là? Est-ce que Astral peut la mettre dans le sang? Non, je pense pas. Ah, il a passé un joueur. Oh, elle est belle. Girardi, oh, oui. Girardi, c'est magnifique. Oh, le Girardi, Astral qui nous fait un taf phénoménal. Le boulot d'Astral élimine un joueur, élimine un deuxième. Petit fake, il va essayer des bumps Néon, mais ouais. ne le trouvera pas. Mais il donne la balle à K-Dub qui est devant les cages. K-Dub qui fait la finition. Allez, un but, 24 secondes. Allez, on lâche rien. Ah, oh. Ah ouais, oh. Ouais, 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 oh. Ouais, ouais, ouais. Let's go. Let's go. Pas de but en kick-off, comment ça pas de but en kick-off? Vous voulez ce but en kick-off? Qu'est-ce que vous racontez dans le chat? Let's go. Allez, 19 secondes. Là, on n'en prend pas un là et normalement, on est bien. Allez, 2-0, pas de but en kick-off, là là pas de but en kick-off cette fois. Ouais, on est bien, voilà, tranquille. Allez, 15 secondes. Qui s'envole, qui va toucher la balle, c'est envoyé sur Trebla, doucement. Garçon, t'as déjà fait trop de folie déjà depuis le début de ta journée là. T'as fait une très belle journée, je pense que là t'es fatigué, voilà. Ok, on met la balle au sol, ok, c'est GG. Plus qu'un. Oh. On a failli la mettre pour le plaisir, allez. Ils ont failli mettre ce troisième but juste pour les terminer mentalement, tu vois. Oh, il en fait mal mentalement, tu vois. Ça les aurait tués. C'est vrai. Allez, okay. 2-1. Un match. Allez, un match. Et on est dans ce top 16. On joue week-end prochain. Allez, on lâche rien. Allez, pas d'erreur. On joue propre, on joue carré, on joue comme on a fait là. Et on va chercher ce premier main event de la saison. Même si on en a fait un sur la saison précédente. Eh bien, là, c'est vrai qu'on était... Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas goûté à cette deuxième semaine. Et pour ça, il va falloir être solide. Il faut mettre ce match. Il est encore loin d'être fait. On va trouver une démo, une belle frappe, ça va être défendu. Démo dommage. Ah, il a cherché la démo sur Trebla, c'était bien tenté. Là, si démo il y a, but potentiel il y a totalement. Ok Astral. Ok Yoda. Allez Astral qui va essayer d'y aller. 20 de boost, il en a moins, il y va slow. Oh. Il retrouve quand même un bon contest. Ouais ça va. Malgré tout, attention quand même à Mads. Oula. Oula, attention à Mads, attention à Néon qui trouve la frappe sur le backboard. De toute façon, il n'y avait pas encore Trebla qui avait poussé. Donc on était assez tranquille. On va regarder un peu. Trebla qui va effacer Chaussette, qui va essayer de faire une passe, qui finalement ne sera pas faite. Oh, ça fait peur. Ouais. Et là, il nous a pris le boost. Il nous a pris un énorme boost, Chaussette qui est à poil. Hein. Mais qui arrivera tout de même à la dégager, c'est bien ça. La balle qui récupérait pas Trebla, qui a pas suffisamment de boost, qui a quand même l'amener défendu. Par le dump dans les airs, Astral qui va la récupérer, qui fait peut-être la passe à Chaussette. Est-ce qu'on peut faire ce but en 3 temps? Dommage, défendu, mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Voilà, le dump qui vient mettre ce petit but en tant que renard des surfaces, le numéro 9. Il est là, il vient, il frappe, il voit qu'il y a l'occasion, Chaussette. Voilà. C'est beau. Allez, ça continue comme ça, c'est bien, ça joue en équipe, on s'est fait 3 passes, une frappe, K-Dub qui va... remettre une deuxième frappe derrière histoire d'ouvrir le score. 1-0 dans ce quatrième match. Attention à Mad, bien défendu de la part de K-Dub qui n'est pas naïf, il joue libéré. Il joue libéré K-Dub. Ta gueule. Allez, on y va. Là il est vraiment libéré, ça sent en fait dans son jeu. Ça se voit, on ça gagne. Se voit. En fait on gagne donc forcément libéré. Ah ouais, si. Si on perdait, c'est-à-dire qu'il ne jouait pas libéré. Ok, ça redégage, attention quand même, la balle qui est un petit peu vers nos cages. Donc il va la récupérer. Qui avait fait une belle passe. Heureusement ça a été contré par K-Dop.
Ok, il faut la pousser là, ouais. Pitié. Oula, pitié. Oula, attention, Mads qui est en train de créer beaucoup de jeu avec 0 là, boost. Là, c'est bizarre là ce qui se passe là en défense. Ok, la balle repart de leur côté. Ah oui, balancé. La balancé de sur Mads. Non. Ils ont personne ici, ils ont Néon qui va continuer de la remettre devant. Est-ce qu'il va trouver la double tape? Oh, heureusement, il la trouve pas. Ça fait peur. Oh la balle, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il s'est raté, il l'a levé. Oh, il a raté. Ouais, ça va. À tout moment, il faisait une dinguerie encore. Non, il n'y a pas de dinguerie ici. Pinch. Ok. Et Dub zéro boost toujours. Frère, j'ai l'impression qu'on joue avec un malus depuis tout à l'heure. On joue avec zéro boost depuis tout à l'heure, je n'en peux plus. Chaussette qui doit aller défendre avec tout boost qui vient de récupérer là. Subit un peu la pression pour l'instant. Ok les gars, pas être naïf, voilà, démo. Très belle démo ça. Ok, c'est une semi-open, non? Non, il y avait très black. Ça sera défendu. Ok, ça démo bien. Encore une démo, ouais, on les fait tilt. Hop là, on non, dis pas ça, à la fin on a pris un but. Ouais, c'est vrai. On les fait pas tilt. Non, on les fait pas tilt, on reste sérieux, on reste concentré, on les respecte, évidemment. Et comme ça, ils jouent tranquille. Et nous, on doit jouer notre meilleur jeu. Attention à Mads qui envoie la balle sur le ceiling, Kedob qui va récupérer la balle avant qu'elle touche le backboard. Oula, heureusement que la passe elle était mal anticipée de Mads. Parce qu'il y avait clairement moyen de trouver quelque chose. Et on la revoit devant, il y aura un joueur. Ouais, ça sera défendu. Il y a Néon qui est là, 2 minutes à tenir. Si on en met un deuxième, c'est beau. Attention à Néon qui a trouvé le flip reset. Non, il a pas trouvé. Oh non, on la rentre. On la rentre nous. On n'a pas eu de chat. En vrai, on retombe. On retombe sur la balle et ça fait un truc bizarre. On n'a pas eu de chat. En vrai, de vrai, on n'a pas eu de chat. En vrai, on retombe. Non, ouais, non, on n'a vraiment pas le chat. Premier degré, on n'a vraiment pas le chat. Là, pour le coup, on peut pas blâmer le joueur ou quoi. Non, là, c'est un qui, c'est pas grave. 1-1, faut pas, encore une fois, faut pas tilt de ce genre de fait de jeu. Ouais. Faut rester concentré, faut surtout pas que ça s'enchaîne, parce qu'on l'a vu, Illusion, ils peuvent aller très, 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 très vite dans le nombre de buts qu'ils mettent. Ça peut aller très, très vite. Ils ont tendance à mettre beaucoup de buts. Oula, attention, heureusement, Chaussette qui défend bien. Et donc, voilà, envoyé devant, qui vient prendre le boost, qui arrivera à effacer Mads. Malheureusement, Astral ne sera pas le premier sur le ballon. Ce sera Trebla avec du boost, ça fait peur. Il a trouvé le flip reset. On arrive à dessus là, malheureusement, côté Chaussette, 45. Et là, on va partir. Edop peut-être. Edop pour trouver une passe pour Astral. Il essaie de le chercher. Il lui met en l'air. Okay, dommage. Elle était belle cette passe, mais ce sera défendu. Néon qui l'a lu, lui aussi. On a vu qu'on essaie de prendre notre temps. Chaussette qui est face à un joueur, deux joueurs, wesh! Chaussette! Wesh Chaussette, Chaussette! 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 Attends, mais il vient de glisser! Boulot, frère. Il vient de glisser entre les deux, c'est la dinguerie, frère! Petite passe pour Astral! What the fuck! Voilà. Ah ouais? Voilà le boulot! J'aime même pas que la voiture pourrait tourner comme ça, voilà! Attends, mais. Le boulot de Chaussette! Non, la passe vraiment, elle est vraiment, vraiment clean! Un but d'avance seulement, mais c'est un but tout de même, 1 minute 10! Avant de rentrer dans ce top 16. Allez, Chaussette, dommage. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal ce qui est fait là. Attention à la passe de Néon pour Trebla, mais Kedob qui attendait tout simplement de notre côté des cages. Est-ce qu'on va réussir à effacer Mads? On va réussir à l'effacer. Est-ce qu'on fasse un autre? On arrive à trouver le contre en plus, c'est bien. On va chercher, on va chercher le bum sur Trebla. Mais Trebla qui a juste resté tel Spider-Man sur le backboard et qui a réussi à éviter. Le dop ici, il y a peut-être une occasion, mais on n'a personne. Non, on n'a personne pour l'instant. On va laisser cette balle un petit peu flottante devant les cages. De illusion, attention à Trebla, Chaussette qui va y aller, Chaussette qui va défendre, le dop qui est là, en défense lui aussi. Et il la dégage là du coup de notre côté, on se remet bien, voilà, on voit que ça essaie de faire remonter un petit peu les barres de boost. Mats qui n'a pas de flip reset, qui en trouve un, attention Chaussette tout seul qui se fait bum. C'est fait bum. Oh la non, dommage. Ah, il était tout seul Chaussette en 1v2 là, c'était compliqué. Là il pouvait vraiment pas là. Il nous manquait du backup et il s'est fait bum par Trebla, il arrive quand même à la hit ici. Ouais, la touche mais elle repart. Il se refait. De toute façon, il y avait Néon derrière. Ah donc, dommage, il était tout seul. Il y en a un joueur qui est passé justement pour essayer de couper le ballon qui l'a raté malheureusement. Allez, 20 secondes, 18 secondes. 2-2. Faut vraiment pas en prendre un. Allez, pitié, mettez ce but. On se qualifie pour la semaine pro, on n'en parle plus. On regoute à la saveur du main event. Attention par contre à cette balle qui peut très mal partir. Ok, ça va. Il a pris le boost, il fait chier Trebla. Et là, il va la vouloir mettre au sol. Ok, ça va être. Pas oh. Il le met pas au sol. Mais. Ok, attends. Non, dommage. Okay. Parce que là, allez. Ils sont de leur côté du terrain. Oui, il la met pas au sol. Oui. C'est tellement risqué pour rien. S'il avait du boost, c'est dit peut-être qu'on va tenter un truc. Attention quand même à ce kick-off. Attention à ce kick-off d'overtime. Oh là. Oh le reset. Oh le reset de Mads. Ah, dégagez-moi ce ballon. Dégagez-moi ce ballon, c'est pas encore terminé la menace. Ok. Kedob qui va la toucher. Astral qui a pris le boost, Astral qui va pouvoir défendre. Ok, il la repousse très loin, ça c'est bon dégagement. Ce
est-ce qu'il veut le jouer? Ok, il y a une démo. Ah, dommage, on a pas la speed là. La passeur Trebla de Maz. Trebla qui a pris le full boost. Ok, bon, par contre, il a tenté une singerie. C'est pas passé, heureusement pour nous. Attention à cette frappe qui était, il me semble, cadrée. Ah, ça, est-ce qu'il peut partir en air dribble? Non, il pourra pas. Je voyais bien partir. Oh non, oh non, oh non. Oh, le dop! Ça ne rentrera pas. Oh, le dop qui défend ça. Qui défend. Mais là, on est toujours là, sous pression depuis tout à l'heure, là, on peut pas chaud. Récupérer attends, les boosts. Attends, pour Chaussette peut-être, pour Astral. Ah, il y a peut-être une ligne de trouver, mais là c'était compliqué. Ok, on va pouvoir défendre sur le ceiling. On va pas pouvoir trouver cette balle ici sur Néon. K-Dub qui la renverra devant, Mads qui va la renvoyer sur Trebla, c'est pas cadré heureusement pour nous. Attention à Trebla qui s'envole un petit peu avec son boost, il va se faire contest là-dessus. Ok, on a eu le boost par contre. Ah, mais Mads avec du boost, il les a depuis tout à l'heure, c'est reset, hein. Il les a, c'est flip reset depuis tout à l'heure. Par Astral. Ça fait peur, hein. Ils sont tellement solides mécaniquement, je trouve. Ouais. Je trouve qu'ils ratent pas trop leur reset depuis tout à l'heure. Oh là, non, on s'est gêné. Oh, j'ai eu peur. Ah, il Trebla, bon, bon. Il a juste renvoyé dans la direction du ballon. Ouais. On va dire ça comme ça. J'ai eu peur aussi, hein. J'ai eu vraiment très peur aussi. Là, on après, prend la là, depuis tout à l'heure, on respire plus, hein. Non, vraiment, on ne respire plus. Allez, est-ce qu'on peut respirer, pitié? Parce que là c'est full boost en Astral, face, nous respirer. Oh non, on respire toujours pas cousin. On a vraiment zéro de boost là, zéro partout, on en récupère un peu du côté d'Astral. Il va pouvoir défendre peut-être Astral un qui va devoir être le sauveur de cette action, il va devoir être le sauveur de cette action. Défendre face à Mads, il va être obligé. Okay, okay. Il est patient. C'est ce que Néon va trouver la passe, non il a pas réussi à trouver la passe sur Trebla. Là il a pas spécialement de boost. Il va retomber sur le boost en plus, non ça va, Chaussette l'a eu, Chaussette peut peut-être partir. On a eu un double commit de notre côté, c'est dommage. Il faut dégager cette balle. Néon qui se fait bump, c'est important. K-Dub, non. Non, dommage. Ça ne passera pas, très bien défendu de la part de Illusion et ça revient encore chez nous. Ok. Cette fois-ci on a peut-être un peu plus de solutions. Astral qui avec du boost, qui va faire un 20 contre Trebla, qui va réussir à le passer mais il pourra pas amener la balle. Ok, c'est bien, c'est bien ça. La double tape peut-être. Non, dommage. L'angle était difficile. Ah, l'angle était très complet, la balle arrivait vite, lui aussi il arrivait vite. C'était pas du tout évident. Attention par contre à cette choquée, ça va, on arrivera à anticiper cette passe tentée côté Illusion. Astral peut-être tout seul avec le pitch pour récupérer du boost. Chaussette qui va la mettre un petit peu pour K-Dub. Mads qui va la toucher. Ok, c'est Astral le premier là. Non, c'est Néon qui va couper la trajectoire de cette balle. Et attention, un Trebla qui va partir un petit peu en air dribble. Attention au bump. Hein. Sa balle comme ça, il peut partir avec un bump et ça peut faire leurs affaires. Astral qui a peut-être Astral en fort sur le backboard. Est-ce qu'on a un joueur? C'était le moment. Il n'y avait personne. On n'avait pas de boost sur Chaussette pour pouvoir y aller plus tôt. Ok, il en efface un. Est-ce qu'il en efface un deuxième? Il la remet dans l'axe le pour top, Astral. Le top. Oh non, dommage. La passe était belle. On a un petit peu de mal à se trouver. Et pourtant, c'est ce qu'il nous faut. 3 minutes d'overtime, ça revient chez nous. Oh non. Non, ça par contre, Trebla là. Par contre, il nous fait chier. Pas mal Chaussette, par contre il a plus de boost, il peut pas vraiment jouer ici. Ça la dégage très loin, Néon qui va la voir, qui va la renvoyer dans les airs pour Trebla. Trebla qui s'envole, normalement, oula attention, Chaussette va devoir la mettre légèrement sur le côté droit. Pour éviter de se prendre un contre défavorable ici. Le freezette, un petit freezette qui sont tentés, hein, le double. Oh là, oh, la défense de Chaussette, l'arrêt de Chaussette 45. Allez, K-Dub qui va essayer d'avancer un petit peu devant, qui passe en force. Allez, en force encore. La balle, est-ce qu'on peut récupérer, faire quelque chose? La frappe qui serait arrêtée, il n'y a plus personne maintenant. K-Dub qui va redescendre avec Astral. Ouais, ils ont raison, ils n'ont pas le choix, ils doivent redescendre. Astral qui arrive à en éviter un, qui arrive à trouver un excellent contre. Est-ce qu'on peut bump le dernier? Non, le dernier qui attendait patiemment sur le backboard. Oui, peut-être la frappe de K-Dub, dommage, elle n'est pas cadrée. Chaussette sur le poteau. Le double poteau gauche, poteau droit. Qu'est-ce qui se passe? Rentre. Non, mes frères. Allez, Astral. On va trouver le bump, mais on pourra pas aller toucher ce ballon. Oh, c'est défendu par Chaussette. Heureusement, ça va aller contest là-dessus. Mais là, on a un Néon avec full boost. On a Chaussette qui n'en a plus, mais ça va, c'est bien fait. Heureusement, on va le jouer très haut, là. C'est dur. On n'a pas envie de leur laisser trop d'espace. Trebla, est-ce qu'il va trouver le reset? Il n'a pas le reset, ce Chaussette. Ouais, ça devient chaud, là. Là, ça devient chaud, je comprends ces cris. Ouais, ne t'en fais pas. S'il vous plaît. Prenez un boost, pitié, prenez quelque chose. Chaussette, là, il va essayer de partir, mais il va se faire contester par Néon encore une fois. Astral qui va jouer le ballon, Astral qui ne l'aura pas. On se fait starve encore une fois. 5 minutes d'overtime. Je suis à genoux, frère, mettez-moi ce but. On avait le but, on a fait double poteau. Comment c'est possible? Ah, normalement, il doit nous le donner. Allez, on y va, côté Astral, on pousse un peu cette balle. Malheureusement, elle se lèvera pas. Non, dommage, le compte qui sera pas suffisamment positif. Le double tap peut-être, Chaussette, non. Attention, ça repart, la redirect, c'est défendu. Astral qui était présent au cage, qui avait anticipé.
Il n'y a plus de boost malheureusement. Le comté de chaussettes qui va être OK, récupéré par Nems. Non, récupéré par Trebla qui est en train d'arriver. Astral qui... Il n'a pas de boost, Mads. Ah, dommage, on n'a pas réussi à trouver le compte là. On est obligé de l'envoyer sur le côté gauche. Kedub qui n'a plus de boost, qui va devoir jouer. Chaussette. Est-ce qu'il peut en effacer un? Est-ce qu'il peut en effacer deux? Chaussette, est-ce qu'il peut renvoyer la balle devant? Il va la laisser Astral avec du boost. Astral, non, ça c'est un très mauvais contre. On doit jouer du mauvais côté du jeu. On n'est pas du tout dans le sens là. Donc faut faire attention. Heureusement on tient, mais on tient pour combien de temps là? Pour l'instant c'est dur. Hein. Pour l'instant c'est dur. Chaussette, un clear, pitié. Ouais, le clear est OK. La touch n'est pas folle. La touch n'est pas folle. La touche de Néon était pas dingue. On a quelqu'un d'autre, on a Chaussette, c'est une petite passe, ce sera défendu. Ok, Kedop, à toi. Kedop qui revient en défense, Kedop, ce qui peut se setup. Non, il y a triple co mid quand même du côté illusion sur ce ballon, on se commence à paniquer un peu. Allez, là, on a cette phase offensive. Ouais, là, c'est bien, cette phase, on en avait besoin. C'est de cette phase-là dont on avait besoin. On prend le gros boost de droite, on prend le gros boost de gauche, on prend le gros boost du milieu. On a Astral qui continue de pousser le ballon. La balle tombe au milieu, malheureusement, on a personne qui peut couper la trajectoire. Chaussette peut-être pour effacer Trebla. Astral qui va enchaîner ensuite. Ils vont envoyer la balle sur le backboard. Non, il a cherché le bump. Attention à la redirect de Trebla. Kedob qui arrive à la frappe de Néon. 6 minutes 30 d'overtime et on part en game 5. Oh là là, le suspense. Au bout du bout. Au bout du bout. C'est dur après d'arrêter cette frappe pour Chaussette, c'est vrai, sans ressources et tout, c'est pas évident, la frappe est puissante. Ça fait un moment qu'on prend long quand même. Ça fait quand même un moment qu'on prend long, on arrive bien à tenir, mais franchement, on a quand même... On a trop... Après, on a raté nos open. Hein, faire Chaussette 10 arrêts, il a fait 19 arrêts. Genre. Ils sont beaucoup. Ils ont fait 27 tirs. Ça fait beaucoup de tirs quand même. Allez, allez les gars, faut pas tilt. Allez, on inspire, on expire. 2-2 dans ce BO5. Allez. Allez, on y va. On y va, la team. Bah, c'est compliqué, je pense, de revenir mentalement de ce genre d'overtime, mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut montrer qu'on est là et que ce n'est pas pour rien. Totalement. Moi, je mets un petit peu de temps. Ah ouais, ça normal, permet de souffler un peu. Game 5, on y va. Game 5, on joue solide, on joue carré, on se chie pas dessus et surtout, on mène aux open, quoi. C'est surtout ça qui nous a coûté cher hein, dans ce match. On a eu deux poteaux. C'est... Ouais, poteau gauche, poteau droit. On n'arrive pas à cadrer ça. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes hein, sur cette action-là. De toute façon, quand il y a un overtime de 6 minutes 30, avant, t'as forcément quelques opportunités à droite à gauche et malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser. Allez, game 5, les gars. Allez. No stress. Ça part. Allez, allez, allez. Ikov. C'est parti. 2-2. Okay, Astral avec du boost, Astral qui la renvoie très loin devant, Mats qui va pouvoir la pousser tranquillement. Trebla, mais Trebla qui se loupe un petit peu. Permet à Chaussette du coup de garder cette balle. Et malheureusement, on n'a pas follow assez bien, assez vite. Mats qui... Oh, Mats qui a un peu troll. Hein. Ouais, qui a Mats un peu troll, le ballon, hein. Ça permet à Chaussette de revenir un petit peu, de gagner du temps. Mais quand même setup pour Néon, Kaidop qui va essayer de le gêner un petit peu pour éviter qu'il parte. Au milieu de terrain, Astral qui va s'envoler, un peu de boost. Ok, on vient bait un peu là. On n'arrivera pas à trouver le bump sur Néon, on n'arrivera pas à trouver la démo. Je pense que c'était plutôt ce qu'on recherchait là, cette action. Astral qui a pris un gros boost de son côté. Attention quand même à Trebla qui la renvoie bien, qui va la retoucher encore, qui est face à nos joueurs et qui repousse le ballon et qui la place devant nos cages. Attention à Néon, à cette frappe sur la barre transversale. Défendu, transversale, into défense de Chaussette, heureusement. Ah, il faut vraiment pas les laisser se mettre en place. Ok, non, tu n'as pas envie de les laisser mettre le bien premier joué, but. Ça. On veut aller chercher cette première action. On veut mettre le rythme. On a des Monéon en plus sur une phase offensive de notre côté. C'était bien cette passe qui aurait pu être coupée. Ça ne suffira pas. Oh, attention quand même. Hein. On voit que ça veut jouer vite. Hein. Côté Illusion 1, il joue très bien. Il joue très fort. Oh, la passe. Ouais, la passe infield là, qui a été faite de Néon qui trouve Trebla. Il vient d'ouvrir le score. 3 minutes 40 restantes. Les gars, il reste en une carte. Oui. Là, de toute façon, ça joue au mental, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Là, il faut pas que l'overtime plus ce but nous enterre. Il va falloir rester fort mentalement. C'est vrai qu'on a tendance à être mentalement parfois être un peu fébrile. Là, c'est le moment de prouver que ce sont des champions. Il va falloir être bon là maintenant. Parce que là, on est mené. C'est-à-dire qu'il faut être décisif, il faut être clutch. Pas les laisser nous endormir, il faut pas les laisser nous mettre la pression et nous espérer une occasion, il faut se la créer nous-mêmes. Jouer. Exactement, il faut jouer. Et ça vient le terrain, Néon, ça va être coupé par Chaussette, Kedop qui la remet un petit peu devant.
Récupéré par Mads en défense. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut venir aller le contest là-dessus? Ça va être chaussette, mais ça va être un contest qui sera quand même gagné. Par Mads, Reblak qui arrive en soutien. Et Mads du coup qui revient. Attention, par contre là on est deux. Allez Astral, il va amener ce ballon un petit peu loin. Yeah, c'est pas mal ça, c'est vraiment pas mal. K-Dop, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il peut trouver un flic? Là c'est sur le poteau droit. Dommage, chaussette qui n'était pas encore présent à ce moment-là. Astral qui va réussir à toucher le ballon, mais il y a une démo. Néon qui va essayer de la renvoyer pour Trebla. Néon qui va garder le ballon finalement. K-Dop qui va venir trouver le contre. Ça part sur le backboard, très bon redirect de Mats tout de même. Astral qui arrivera pas à toucher cette balle et chaussette qui va devoir l'envoyer devant. Comment on fait là pour essayer de se créer une occasion? Trebla qui efface chaussette. Trebla qui fait de la dinguerie. Trebla qui dribble même son joueur. Et là c'est la prochaine but. Voilà. Allez, la très belle démo. On reste dedans, on reste dans ce match. Allez, Là, ça se joue au mental maintenant. Très bonne démo. Et il fait du. Il fait tout. Elle fait tout cette démo et ce but qui fait du bien. Ce but qui fait du bien, qui donne un second souffle. Un partout, 2 minutes 27. Allez, un but à mettre. Ok. Bump un petit peu tardif, malheureusement, donc il aurait eu le temps de faire un clear. Astral qui devrait avoir le ballon en premier, dommage, le contre est bon pour eux, hein. Le contre est vraiment pas mauvais pour eux. Après heureusement que c'est chaussette le premier sur le ballon. Mats qui arrivera à couper la trajectoire ici, il arrive à trouver le reset, non il activera pas. Et c'est Néon qui prendra le ballon, sachant que là, quand on regarde un peu les barres, il n'y a que Astral qui pouvait faire quelque chose en défense ici. Ouais, Astral qui est patient, qui va toucher cette balle. Il va le laisser maintenant à K-Dop. Pas de boost, ok, K-Dop, officier est fine. Descend, ouais, chaussette sera premier sur le ballon. On n'a pas de boost, Astral qui revient un petit peu, mais qui est un petit peu en retard forcément. Il a dû aller chercher ce boost. Du coup, va quand même aller récupérer cette balle au milieu de terrain, essayer de faire la passe à chaussette. Oula. Attention, K-Dop, attention. Oula, attention quand même, K-Dop. Ouais. Cette tentative-là, elle était un peu culottée. En même temps, il n'a pas réussi à la renvoyer devant de base, donc il est obligé de tenter ce psycho. Oula, attention à la redirect. Heureusement, ça touchera pas. Pinch aussi là qui envoie la balle directement sur le ceiling. Astral qui trouve un bump. Astral, oh dommage, K-Dub qui se fera contrer par Mads. On arrive à avoir les bonnes lectures depuis tout à l'heure. Néon qui va frapper en première intention. 3 dans les cages, ça va être défendu. Oui. Mads qui va être obligé de reculer, il a plus de boost. Astral qui va envoyer un petit peu cette nous, balle. Ça nous met la pression. Allez, chaussette. Non, cette touch, ok, pour K-Dub. Ah, on s'est mal compris. On a pas réussi à se trouver là. Là, ouais. Clairement, on n'a pas réussi du tout. Dommage parce qu'il y avait l'idée, j'ai bien aimé ce qui avait été tenté, la frappe de chaussette, enfin la frappe de K-Dub, chaussette qui a essayé de bump les joueurs qui étaient dans les cages. Heureusement on n'y arrivera pas. Ça marche comment K-Dub, c'est bien. Ouais, la balle est trop loin. Ouais, c'est compliqué, on va aller défendre ça. 40 secondes, un partout. Astral qui va éliminer un joueur mais qui a plus de boost, qui pourra pas continuer. Chaussette qui va récupérer la balle en défense, un petit peu de boost, il va réussir à gagner 50-50 contre Mads. Allez, il fait un truc. Oh. Ok, ça va. Ça va, c'est quand même assez moyen, mais on trouve la démon, on la repousse devant. Gagné 50-50, ok, c'est gagné par K-Dop. On a plus de boost, il va essayer de trouver un bump. Bon. Oh non, cette touch, je suis pas fan de cette touch là parce que du coup on n'a pas pu. Ouais, on l'a ramené en arrière. Ouais, on l'a ramené un petit peu en retrait. On a besoin de jouer en avant là si jamais on veut aller chercher un but là dans ces dernières secondes, sinon ce sera un overtime. Et overtime gain 5, j'aime pas ça. Oh là là, oh bordel. Oh non, attention, oh là, attention à Trebla. Moi j'aime bien l'overtime. Hein. Ouais, overtime ça me va là. Overtime ça me va. Allez les gars, overtime allez. C'est maintenant. On a allez. Perdu celui d'avant, faut pas perdre celui-là. Pour nous, pitié. Oh non, Mats qui a du boost, Néon qui a du boost, on est à poil. Chaussette qui doit y aller, qui lance K-Dub qui y va. Astral qui tente de sauter, on la retouche cette balle, c'est bien, on efface Trebla. On a zéro. Le début de match, l'entame de match est horrible. L'entame de match c'est pas terrible, on peut réussir à récupérer un peu de boost mais la balle est toujours chez nous. Astral qui va faire un bon clear, ça va être bloqué quand même par Néon sur le milieu de terrain. Oh. Le bump, la balle qui est devant nos cages, défendu par Astral. Du boost, Trebla qui va essayer de partir oula, avec un free reset. Ok, défense à deux, défense héroïque. Et donc est-ce qu'on a quelqu'un qui suit? On a Astral, les chaussettes qui se commit là, il faut pas ce double commit ici les gars. Ça sert à rien. La frappe, ok, on essaie de mettre une petite frappe dans le dos, on va essayer de voler le boost, on arrive à la remettre dans l'axe, c'est bien ça. Malheureusement. Ouais. C'est dommage qu'on ait personne ici parce que là la passe, ouais, le taf que fait K-Dub, c'est dingue. Hein. La passe qu'il fait bien devant les cages, assez lente. Ah, y a bien en hauteur. Astral qui s'est fait démo. Bon tempo. On est patient du côté de K-Dub. Voilà. Ouais, il la renvoie. Astral qui y va. Mais chaussette qui a du boost. Est-ce que chaussette peut y aller? Chaussette ne pourra pas y aller. Et donc faut qu'il la pousse bien. Chaussette reprendra le boost, c'est bien. Et Dop, il va essayer de faire passer la balle en dessous de l'adversaire. Le top. Magnifique! Il en passe deux. Le top. Allez, chaussette! Voilà! C'est bien joué ça! Voilà! Let's go!
On va les chercher. Et voilà, on les prend au mental. On les prend au mental. On a perdu notre thème de 6 minutes 30. C'est pas grave. Magnifique. On met le deuxième et ça y est. Ouh, on est qualifié enfin, en main event, les gars, enfin, le top 7. Enfin, on a réussi. Let's go. Putain! Ah, du coup, on aura l'occasion de les revoir la semaine prochaine. Je t'avais dit que je le sentais bien aujourd'hui. Ouais, moi aussi, je savais, on allait baiser BDS, putain. Voilà. Bon, on n'a pas baisé BDS, mais c'est pas grave. Ouais, BDS, c'était un peu chaud quand même, mais. Ah, bah ça voilà, celle-ci, elle fait plaisir, c'est bien. Ouais, on a fait un très bon match en winner, premier BO aussi, qui était très clean. Après, voilà, forcément, BDS, c'est un gros client, on s'incline contre eux. Oui. On n'a pas été ridicule tout de même. Et derrière, on s'est fait un peu peur sur le dernier match. Tu manges une fraise. Tu manges une fraise. Petite fraise de la victoire. C'est les deux dernières fraises, ouais! Ah, ça fait plaisir. Voilà. Bon bah du coup, top 16, deuxième top 16 de l'année, ce qui est bien, voilà, enfin, on est content de faire enfin un top 16, c'est pas bien dans l'idée, mais on termine sur une bonne note. Au moins on fait ce top 16 pour le dernier, et après c'est voilà, ça. Évidemment c'est pas terminé, ça jouera donc le week-end pro. Ah, ça fait plaisir, ça fait surtout plaisir aussi pour les joueurs qui ont bien taffé et qui méritaient, après c'est la compétition, donc tu mérites, tu vas le chercher, et c'est ce qu'ils ont fait. En tout cas, voilà, j'espère que mentalement, ça leur fait plaisir aussi.